Western feeling. Oh, and do you know, you give me this only Grégoire Margoton avec Christophe Dugarry qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Ouais, merci Grégoire. Bonjour à tous. C'est une ambiance de folie, l'ambiance des grands jours et les supporters sont vraiment en pleine forme. Et nous entendrons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Christophe, on est à quelques secondes du coup d'envoi. Comment sentez-vous ce match? Ouais, surtout je pense que les équipes sont très très bien préparées, autant sur le plan physique que tactique. Ce match se jouera une nouvelle fois sur des détails, il faudra aussi un petit peu de chance pour l'emporter. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Écoutez ce stade vibrer, vraiment vibrer, trembler au moment où l'arbitre donne le coup d'envoi. C'est parti pour cette rencontre. Joli travail à deux. Voilà une récupération. Remise en jeu en leur faveur. Et le centre bien placé. Ça panique un peu là, la pression est énorme. Et un ballon qui termine en sortie de but. Il a touché son adversaire et pas le ballon. Ça peut se tenter, même à cette distance, on en a vu rentrer des bien plus lointains. Bien intercepté. Kalou. Mavouba. Ça combine bien là. Mavouba. Oh, on a failli voir un but magnifique. Claudemir.
Le coup franc après ce tacle très appuyé. Et l'arbitre va sortir un carton jaune normal, justifié. Maintenant, il faut se méfier, le rouge n'est pas loin. Il a fait quelques pas pour récupérer le ballon. Du bout du pied, quel geste défensif! Balmont, le ballon sort du terrain. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Malheureusement, ça ne donne rien. Oui, il a trois possibilités devant. Il va falloir un petit peu plus de créativité parce qu'à ce rythme, on va jouer toute la nuit sans qu'il puisse marquer. Quelle frappe! Le gardien boxe le ballon. Ah, je l'envoyais vraiment en force. Là, elle était parfaite. C'était vraiment très chaud. Ce ballon qui lui revient dans les pieds. Frappé maintenant. Et ça fait but. Quelle entente entre les deux hommes, le passeur, le buteur. Ah, le tempo est parfait entre le receveur et le passeur. L'action est superbe. Ses attaquants. Et l'interception. Roux. C'est intercepté. Et bonne lecture du jeu. Kalou. Il est passé, c'est pas fini. Aucun problème pour le gardien. Il paraît tout bonnement imbattable aujourd'hui. Il vient encore de prouver de la plus belle des manières que c'est un grand gardien. Ils sont en apnée en ce moment. Et défensivement, c'est bien fait. 30 minutes au chronomètre dans cette première période. Il renvoie le ballon. Jakobsen. Et il renvoie le ballon au gardien. Ballon dans la surface. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Il frappe loin devant. Accordé, logique, c'était trop physique.
je ne sais pas s'il va la jouer directement, mais à mon avis, c'est un petit peu loin. La reprise à ras de terre. C'est à côté. Ah, les efforts pour revenir dans la partie ne sont pas récompensés. Quel dommage. Mavouba. Balmont. Ils ont trois possibilités dans la surface. Seul petit but d'écart au tableau d'affichage, il reste quelques minutes pour faire la différence, juste avant la pause. Payet, ça peut aller au bout. Et défensivement, c'est bien fait. Bien joué, il y a des ballons qu'il ne faut pas rater. Pedretti. Idrissa Gueye. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Très peu de tentatives, mais il a réussi à en concrétiser une en faisant preuve de beaucoup de précision sur ce but. J'espère que la deuxième mi-temps sera beaucoup plus ouverte. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Continuer comme ça, c'est sans doute ce qu'a dû dire l'entraîneur dans les vestiaires à la mi-temps. C'est aussi ce qu'espèrent leurs supporters. Il est par terre, ça pourrait être un pénalty. Ouf, c'était pas loin, mais c'est pas dans la surface. Où il est placé, il peut frapper directement. Oh, le geste qui sauve. Payet. Kalou. Kalou. Une interception. Il est sur le côté. Un centre tendu à ras de terre. Balmont. Long ballon. Mavouba. Et il redonne derrière. Ah, il faut dire que la défense est bien en place.
Il laisse très peu d'espace aux abords de la surface de réparation. Il est bien dans son match, la preuve. Il s'est parfaitement couché, le gardien, sur cette balle à ras de terre. C'était un beau geste. Geste qui sauve. Payet. Balmont. Pedretti. Il a toujours le ballon. Oh là, il peut frapper. Il peut continuer sur sa lancée. Dégagement. Claude Emir. C'est intercepté. Mavouba. Idrissa Gueye. Il reçoit le ballon. En égalisation peut-être. Pedretti. Corner malgré le bon travail de pressing de la défense. Pedretti. On approche le dernier quart d'heure. Idrissa Gueye. Balmont. Un très long ballon. Il fait quelques pas et prend ce ballon. Idrissa Gueye. Celui-là, il l'a récupéré. Idrissa Gueye. Payet. Balmont. Et les deux entraîneurs qui demandent tous les deux un changement. Ah, c'est une bonne décision de le faire rentrer à ce moment-là du match. Je pense qu'il a besoin de redonner de la stabilité à son groupe. Il donne son ballon derrière. Et la touche maintenant. Ah, ça ne donne rien à l'arrivée, mais c'était un beau mouvement. Balmont. Debuchy. Pedretti. Et bonne lecture du jeu. On est maintenant dans les 5 dernières minutes. Il trouve du soutien. La frappe. Oh, c'est dommage, quelle occasion! Mais attention messieurs, à l'excès de confiance, il pouvait se mettre définitivement à l'abri, c'est dommage. Ah.
récupère le ballon. Oh, c'est bien joué. Oh, le but. Il mène 2-0. Oh, c'est du talent, tout simplement. Oh là là là, mes amis, mais quel but magnifique. C'est un festival. Et voilà, le match est complètement terminé maintenant. Victoire méritée, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. On s'est régalé, Christophe, vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite, à bientôt.